that love is all around you. About this album. If you don't get into old school, you'd have missed it. You'd have missed it. You'd have missed it. Désolé pour ce petit contretemps, mais on va passer une bonne soirée. Faites du bruit, les gars!
Merci beaucoup. No part of the world is it out to urge you. It's all left.
So you're a philosopher? Yes. 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 You are now about to witness the strength of street knowledge. Shout out. You are now about to witness the strength of street knowledge. Street knowledge. Crips on wheels, Cahuenga Boulevard, Bones always had the pills. LA, cause we get it right. Where we had nothing to lose. LA, yeah, we did it right. LA, I can't believe that's what we smoked. I got more high off that weed than I do off the good weed now. Man, I wish we could just get stoned and go to Beverly Center and do some Canadian ass shit. Thank you.
Toujours.
Thank you.
My nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe with 44 when she got in the back door. Smoke weed every day. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, on va devoir recommencer. Non, je déconne. Merci les gars, faites du bruit! Was battled was so that there would not be any physical confrontation. That was the point to the battle. We can artistically prove to the audience right here and now who's the best. Who's the best? Who's the best?
beaucoup. What's on the
On est The Geek XVRV, merci beaucoup, le Flo, le Cercle, merci beaucoup tout le monde. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit à Rulio et Sake au cuivre? Un maximum de bruit à Basile au saxo et clavier. Un maximum de bruit pour Vervé. Et moi, je m'appelle The Geek et merci beaucoup, Paris. Peace. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Paul, est-ce que tu peux nous dire si on nous entend bien? Ouais, c'est bon, ok, super. Bon, bah salut The Geek XVRV. Salut. C'est comme Direct. Ça que ça se prononce? Ouais. Ok. Bon, d'abord, je voulais commencer cette petite interview par des excuses par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, t'inquiète. En fait, on a eu un petit problème de connexion, ce qui a fait qu'on a dû relancer le live. Et pour que vous puissiez, en fait, pour que le public... que ce soit sur place mais surtout en ligne puisse voir l'intégralité de votre prestation, on a préféré recommencer avec votre accord. Ça a marché du coup. Ouais, ça a cartonné, les gens ont adoré, vous allez voir les commentaires après. Le problème de connexion, ça arrive, c'est le direct quoi. Bon, en plus il fait pas beau avec les tempêtes et tout, peut-être que ça explique ça, on sait pas exactement pourquoi, mais bon, en tout cas on est désolé pour ça. Les aléas du live. C'est les aléas du direct, exactement. Voilà, ouais, j'imagine. Bon, on va tous bien dormir ce soir. Voilà. Voilà. Bon, alors, on va commencer cette interview déjà. Pourquoi le nom The Geek XVRV? Alors, moi, à la base, je suis DJ. Et mon nom de scène, c'était The Geek. Okay. Et Vincent, vas-y, je te laisse expliquer ta super histoire.
En fait, quand j'étais plus jeune, genre vers 12-13 ans, j'avais commencé à monter un groupe avec des potes au collège avec qui on voulait faire de la musique. Ouais. Et évidemment, à cet âge-là, on avait envie tout de suite d'un nom, un truc comme ça. Mais comme on n'avait pas d'idée, on a mis nos initiales. Du coup, ça fait Victor, Richard, Vincent, okay. que je salue. Ils ont fait 2 semaines et après, ils ont arrêté. Mais moi, j'ai gardé okay. le nom du coup plus tard. Ah, c'est génial. Et donc, voilà. Et du coup, en fait, vous êtes rencontrés et c'est là où vous avez décidé de rassembler les deux noms, c'est ça ? Bah en fait, on a fait un son ensemble, ouais. It's Because, et du coup, il a cartonné, il a fait le buzz direct, genre il a fait, je sais plus, 250 000 vues en une semaine ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Ouais. Et du coup, bah, c'était un peu trop tard pour changer de nom, et du coup, on a gardé ce nom, et au final, ça va très bien. Quoi. Bah ouais, il est super ce nom. Ça fait une histoire à raconter. Bah oui, voilà, exactement. Et vous êtes rencontrés sur Facebook, c'est vrai ça ? En fait, Vincent venait aux soirées où je mixais. Ok. Et ensuite, c'est un pote en commun qui m'a dit ah, il fait du son, ajoute-le, tout machin. Et du coup, ouais, après, ça s'est passé sur Facebook. Ouais, ouais, voilà, ok. Là, ce soir, vous avez joué avec votre section cuivre, donc trois autres artistes qui ont joué avec vous. À la base, vous étiez que vous deux. Qu'est-ce qui vous a décidé d'ajouter ? Vous avez même une section chant, je crois. Qu'est-ce qui vous a décidé de. Voilà, bah, c'est l'envie de se développer et de proposer autre chose que juste de l'électronique et ouais. puis de tout ce qu'on a vu en fait des autres concerts. Je pense qu'on a pas mal appris avec ça. Comme on a tourné pas mal avec beaucoup de gens différents, on a vu beaucoup de choses différentes. Et on s'est dit que c'était important d'essayer d'en rajouter. On en rajoutera encore quand on pourra. Bah c'est génial en tout cas. C'est original, mais en plus c'est génial ça. Bah merci beaucoup. Ça sonne super bien. Et vous partez en tournée là bientôt aux États-Unis ? Ouais. Est-ce que vous partez tous en groupe ou juste vous deux ? Alors malheureusement pour... juste vous deux ? Bah pour l'instant pas encore. On part avec Basile. Ok. Déjà et on verra après pour plus tard pour partir tout le groupe. Mais vous partez quoi ? C'est une semaine de tournée ? On fait 10 jours. Un ouais. peu partout aux États-Unis ? Ouais, c'est 10 jours. Non, on fait surtout la Californie. On commence par la Californie et après on finit à Washington en passant par Denver, Chicago et Brooklyn. Ok, cool. Bah, j'imagine que vous avez hâte. Grave. Grave. C'est stylé. Vous avez d'ailleurs sorti vendredi dernier la Back to School Beat Tape. Ouais, est-ce que ça. Vous pouvez nous en parler un peu L'histoire de ça ? Ouais. D'où ça vient ? Bah oui, d'où ça vient et pourquoi vous avez voulu faire ça en fait ? À la base, on avait fait un remix contest d'un producteur américain. Et les gens on avait demandé aux gens d'aller voter pour qu'on puisse gagner le remix contest. Bon, on est arrivé premier, mais on n'a pas gagné. Hein. On sait pas pourquoi. Ouais. Et du coup, pour remercier les gens qui sont allés voter, on a dit ouais, tenez, on vous donne des beats qu'on a fait, machin. Et les gens ont adoré. Et on a fait bon bah ok vas-y let's go on en a fait quatre en tout ouais c'était le quatrième c'est le quatrième qu'on a fait. Ok, top. Et ça a un côté un peu old school etc. Je voulais savoir quelles étaient vos influences musicales en ce moment, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que en ce moment voilà en ce moment ouais comme ouais, ça c'est plus, peut-être plus simple à répondre en ce moment je vais dire une connerie. Bah. non, qui non, en ce moment. Jules. On est en interview. Bravo Pierre, hein. Bravo. Ah. Hein. Non, en ce moment, moi je me fais l'album de The XX. Simple, cool, classe. Ok. Ouais, j'ai rien à dire. Puis toi, Vincent. Moi là, je me refais toute la discographie de DJ Premier, de Gangsta. Ah, yes. C'est mon truc en ce moment. C'est ce que j'écoute. Ok, super. Est-ce que vous avez un dernier mot à passer à nos auditeurs, aux spectateurs ? Bah, déjà qu'on vous remercie de nous suivre, aussi nombreux, et ça fait super plaisir. Et nous, notre but, c'est de vous faire plaisir quand on vous voit en live. Bah, je crois qu'en tout cas, vous avez fait plaisir à tout le monde ce soir. On espère que vous avez apprécié. Et puis voilà, on vous aime en fait. Ouais, voilà. Merci beaucoup. La classe à Dallas. Et puis ceux qui étaient sur place, ils ont eu un double live. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas rien. Et gratuitement. Voilà, t'allais dire pour le prix d'un, mais en fait. Gratuitement. Voilà.
pour le prix de zéro. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci classe. Beaucoup à vous deux. Enfin, à vous cinq, mais enfin à tout le monde, parce qu'il y a quand même derrière aussi une grosse équipe technique. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe technique, parce que ce soir, elle était assez importante, mais c'est normal parce que c'est quand même un sacré live que vous nous avez fait. Yes. D'ailleurs, merci aussi à notre partenaire, le Bonbon. Partenaire exclusif de cette émission. Et puis merci aussi au Flo et à l'équipe du Flo qui nous a accueillis dans cette belle salle. On est dans un bateau, je sais pas si, enfin, peut-être que certains spectateurs ne le savent pas, on est dans un bateau. Donc et vous avez vu la salle, c'est une très grande salle, c'est une très belle salle. Donc on était ravis d'accueillir The Geek XVRV ce soir dans cette salle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous dévoile pas encore le nom de l'invité, mais ça arrivera très vite. Merci beaucoup à tous et ciao ciao. Merci mec. Ouais, je sais qu'au début, je vais être. Ah ouais.